Le Festigora, c'est un festival particulier, hein? C'est différent des autres. Vous avez un festival de jeunes, réalisé par des jeunes, fait pour la jeunesse du Mali. Ça, c'est d'abord la première différence. Deux, c'est un festival d'art oratoire. D'abord, avant de dire, je vais dire d'abord félicitations, grand merci à vous et surtout grand courage et abnégation. Vous faites un travail formidable qui n'est pas facile. Il faut du courage pour le faire. Il faut aussi de l'aide, de la passion et des sponsors pour continuer à le faire comme vous souhaitez le faire. Toute œuvre humaine peut avoir des défaillances, mais quand on a la volonté, on surmonte tout cela. Moi, je vous félicite parce que vous avez eu le courage de le faire. Parce qu'il faut oser faire les choses. Si on ne commence pas, il n'y a pas d'échec. Si on ne commence pas, il n'y a pas d'amélioration. Si on ne commence pas, il n'y a pas de réussite. Si on ne commence pas, il n'y aura pas de problème. Donc, ce que vous avez fait était bien. C'était idéal. Moi, j'ai trouvé seulement que c'était un peu long pour vous. Si vous pouvez le resserrer encore en 3 jours ou 2 jours, c'est encore mieux. Là, ça va faire que les gens sont plus présents, ils sont plus motivés, ils ne sont pas dispersés. Ça, c'est ma première remarque. Il faut approfondir les thèmes et que les thèmes soient de portée essentielle et de valeur qui intéressent les gens. Et il faudrait que les thèmes soient d'une évidence pour l'époque et le temps que nous vivons. Il faut que les thèmes se rapportent aussi à la jeunesse, à la société et au pays. Voilà, donc si vous avez ça, avec l'engagement et la volonté que vous avez, la réussite est devant vous. Le Festigora, c'est un festival particulier, hein? C'est différent des autres. Vous avez un festival de jeunes, réalisé par des jeunes, fait pour la jeunesse du Mali. Ça, c'est d'abord la première différence. Deux, c'est un festival d'art oratoire. Deuxième différence, c'est de l'éloquence. Donc, ce que je vous conseillerais, peut-être que pour plus de marge, pour plus de crédit, pour la partie éloquence, la partie déclamation, j'aurais souhaité que vous vous déportiez dans une école, dans des écoles pour le faire, l'école. Ça peut donner encore plus d'engouement et de popularité à l'événement. La déclamation, on les fait dans au palais. Si vous partez négocier avec un ou deux lycées, vous allez les convaincre de bien fonder la valeur que vous faites et vous le faites dans l'école, avec, devant les élèves, avec les élèves, vous avez le crédit et l'ampleur que ça va donner. Ça, c'est très important pour la partie déclamation. Moi, je préfère ça. OK? Et les thèmes choisis, il faut que ce soit des thèmes réels. C'est des thèmes de société, des thèmes de débat, des thèmes d'actualité. Il ne faudrait pas aussi que les distances soient longues entre les panels et les lieux. C'était un peu le handicap que vous avez l'année passée, parce que vous étiez entre le palais de la culture, votre siège et un endroit. Donc, même ceux qui ont envie d'écouter 2 ou 3 panels à la fois ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas au même lieu. Ou ils sont où? Peut-être qu'il faut tenir aussi compte du temps, que le moment choisi pour les panels, c'est important aussi pour ceux qui veulent voir. Ça, et dernier conseil, tous les nominés, vous devez faire de manière qu'ils soient tous présents pour que la fête soit vraiment une apothéose. Parce que quand vous dessinez de trop de gens, s'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas, ce n'est pas bon. Faites l'effort de les convaincre de l'utilité du bien fond de leur présence pour prendre en main en personne leur trophée. Et ça va donner encore un autre crédit à l'événement.